Monsieur Daubert. Excusez-moi. Moi, j'aimerais commencer par m'excuser auprès du public pour l'effet de ces taxes qui montent tout le temps, qui n'arrêtent pas, puis qui ne reculent jamais. Ça va vraiment... moi, ça me touche de voir que cette augmentation-là va augmenter aussi le coût de la vie. Ça va, par conséquent, avoir du dommage collatéral au niveau de la pauvreté, au niveau du prix des loyers. Puis, ça va, encore une fois, pousser d'autres gens dans l'itinérance. On a eu une belle démonstration de ça au dernier conseil. Ce qui est encore plus fâchant là-dedans, c'est que moi, ça fait un an que je suis assis ici, puis je m'aperçois que ma conclusion, que ces taxes foncières-là vont faire très mal aux petits. Ça, le sang, comme on dit, le sang va couler dans les gens Monsieur Daubert, le sang va couler. Attendez un peu, là. Je vous demanderais juste peut-être de revoir votre formulation, s'il vous plaît. D'accord. Je pense qu'on aurait tous... on aurait tous besoin de coucher une nuit dehors avec les itinérants pour savoir ce que c'est. Alors, malheureusement, ces gens-là vont en prendre pour leur argent. Mais encore une fois, les grosses organisations, avec leur lobbying occulte au sein de l'appareil municipal, vont juste être égraffinées. Alors, je trouve ça dommage. Puis je pense qu'il y a des mesures qui s'imposent. Donc, la ligne de dénonciation... Il faut qu'on rouvre les livres, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il faut regarder les salaires, il faut regarder qu'est-ce qui se dépense dans ces affaires-là, si on n'est pas relevé le défi pour lequel, en tout cas, moi, je suis venu ici représenter le peuple. Merci. Merci.